Bonsoir, bonsoir, bonsoir cher public, bonsoir chère chroniqueuse. Bonsoir. Coucou Daphné. Salut Coucou Rita. Salut Rita. Comment vous allez les filles? Très ça bien. Va. Ça va? Ouais, bien bien. Ok, top. Super. Rita, ça fait un moment là qu'on t'a pas vue. Hein. Ah, je suis là, je suis revenue. Qui se souvient du premier passage de Rita sur l'émission? Ça je vais jamais oublier. Tolé. J'oublierai pas, ça c'est sûr. Ah, bah dites-vous que ce soir, elle est encore là pour nous donner son point de vue sur le sujet que nous allons aborder. Un sujet croustillant. Un sujet croustillant, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, nous allons d'abord remercier à qui de droit en fait, hein, n'est-ce pas? Donc nous allons d'abord remercier l'apôtre Alain Patrick, qui est le visionnaire de la chaîne Évangile TV. Nous remercions également le pasteur Paulette et la ministre Sabrina. Et je remercie également le pasteur Grace Mafoy, qui est la CEO des Boss Ladies et qui, une fois de plus, m'a prêté son fauteuil. Pardon. Merci pour la confiance, paste. Et nous remercions, bien évidemment, vous, hein, le cher public, sans qui il n'y aurait pas forcément d'émission, parce que c'est vous qui nous suivez, c'est vous qui nous encouragez. Et c'est aussi grâce à vous qu'on trouve ce genre de thème, en fait, parce que vous nous inspirez, tout simplement. C'est ça. Merci à vous et merci à l'équipe technique qui se trouve derrière. Et puis merci à vous, chère chroniqueuse. Mais de rien. Et j'ai même envie de remercier aussi toutes les autres chroniqueuses. Donc il y a les chroniqueuses principales, donc j'ai nommé Jess et Carmen qui ne sont pas là ce soir mais qui seront là à la prochaine émission, n'est-ce pas? Ah oui, j'espère en tout cas. Et toutes les autres chroniqueuses qui ont déjà eu à passer sur le tableau, sur le plateau de Les Boss Ladies. Donc voilà. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir. C'est un thème qui parle, normalement, c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes. C'est un sujet que beaucoup de gens fuient, c'est vrai. De façon générale, parce qu'on ne veut pas faire face à certaines choses, parce qu'on ne veut pas non plus faire d'introspection, on ne veut pas pointer le doigt là où ça fait mal et on préfère continuer sa route. Mais le problème, c'est que quand on continue la route comme ça, on se casse la figure et on ne fait finalement rien de bon, ou en tout cas rien de spécial ou rien de prévu. Donc nous allons parler de la confiance en soi. Ah oui. Qui peut devenir une compétence, n'est-ce pas les filles? Ah oui, en effet. N'est-ce pas? Donc dans un premier temps, moi je vais vous poser des questions. Nous sommes prêtes. Ah je sais, l'esprit de Dieu en vous non, est bouillonnant, n'est-ce pas? C'est ça. Alors dans un premier temps, comment faire de votre confiance en soi une compétence? Mais je pense qu'il faut tout simplement masteriser la confiance en soi. En réalité, la confiance en soi, pour moi, c'est... Je vois ça comme un amas de quelque chose, d'une substance, entre guillemets, qui peut être plus ou moins grande. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont très confiance en elles, d'autres qui ont moins confiance en elles. Donc la confiance en soi est amenée à augmenter et à être maîtrisée. De telle sorte à ce que la confiance en soi, finalement, soit un ajout, un atout et finalement une compétence, notamment dans certains postes. Il y a des postes où il va falloir qu'on sente que la personne a confiance en elle parce qu'elle occupe des responsabilités ou bien elle doit être celle qui prend des décisions importantes, qui manipule des très gros chiffres en entreprise et qui parfois peuvent avoir une incidence sur l'avenir de l'entreprise ou de l'équipe. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, lorsque la confiance est maîtrisée et qu'elle est vraiment affirmée, là on peut parler de compétence. Yes. En effet, je suis d'accord. Je vais juste ajouter quelques petits points. Je pense qu'elle a déjà un peu tout dit. Mais je pense que la confiance en soi, c'est l'habit qu'on doit porter pour sortir ou même pour vivre. Parce que c'est la base de toute chose. C'est ce qui nous permet d'accomplir habilement notre vie. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu ne te connais pas. Il faut se connaître. Yes. Et en fonction de ce que tu découvriras de toi...
tu créeras une ambiance de confiance pour évidemment en faire des compétences. Ah, je suis d'accord avec vous. Non, c'est super. Et elle a parlé de faire les choses habilement. J'aime beaucoup ce mot parce que quand tu as confiance en toi, tu arrives à bien faire les choses. Oui, tu es habile. Il faut le dire. Et puis la Bible en parle de ça. Tu es structuré. Oui, oui. Parce que tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu as confiance. Quand tu n'as pas confiance, tu vois le brouillard, tu sais pas quoi dire, tu sais pas qui tu es. Exact. Tu perds ta personnalité. Du coup, tu sais pas où tu vas. C'est ça. Mm-hmm. Et on a souvent besoin, comme elle disait, dans des postes à haute responsabilité. De la personne, des compétences de la personne. Donc, elle ne saura pas les appliquer si elle n'a pas confiance en elle. Exact. Mmh. Mais il y a des postes qui ne nécessitent pas forcément qu'on ait... Enfin, je reprends. C'est pas forcément des postes à responsabilité qui nécessitent qu'on ait confiance en nous. Et moi, j'ai un exemple très concret. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans la vente pendant très longtemps dans le cadre, à côté de mes études. Et en fait, en vente, on va nous pousser à aller vers le client. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu es paralysé. En fait, tu ne peux pas aller vers le client parce qu'il faut aller lui dire bonjour, il faut aller demander au client de quoi est-ce qu'il a besoin et tu dois répondre à ses besoins, etc. Mmh. Donc parfois, c'est des choses que tu connais et que tu pourrais faire instinctivement. Mais quand quelqu'un te pousse à le faire, ben là, tout d'un coup, tu es paralysé, tu n'oses plus le faire. C'est ça. Et voilà. on te donne les gros points de vente. Enfin, comment faire pour aborder le client, mais c'est surtout ta compétence et ta confiance en toi qui font en sorte que tu attires. Que ça marche ou que ça marche pas, exactement. Donc, ça devient une compétence quand on arrive à se dépasser. À se dépasser, mais surtout à se maîtriser, à se connaître. Mmh. Je pense qu'il faut se connaître. Absolument. Il faut faire souvent de l'auto-évaluation, savoir ses points forts, ses points faibles et les utiliser comme... Exactement. Et puis le problème avec la confiance en soi, c'est que c'est quelque chose qui est implicite. Ouais. Il y a des personnes qui ont confiance en elles, mais qui n'ont pas un tempérament ou qui n'ont pas un caractère extravagant. Ça ne change rien. Donc oui, ça ne change rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne lit pas forcément sur le visage de quelqu'un qui a confiance en lui. Pour moi, c'est... au moment où la personne va parler ou faire quelque chose, qu'on peut effectivement attester que X ou Y a confiance en lui. Alors que, je vais aller jusqu'au bout et après tu vas pouvoir me contredire en paix. Ah, je bouillonne. Non, mais il n'y a pas de souci, on a dit qu'on bouillonnait ce soir. Donc il n'y a pas de... J'aime bien ce plateau. Alors que d'autres peuvent être beaucoup plus extravertis et être des personnes qui s'imposent naturellement dans un groupe, mais qui n'ont pas confiance en elles. En effet. Donc pour moi, la confiance en soi, c'est malheureusement quelque chose qui parfois est très abstrait, parce que c'est pas tangible. Et c'est là où, pour moi, c'est un sujet finalement qui est sensible et qui mérite d'avoir beaucoup de discussions. Et ça devrait même être une matière à l'école, pour moi. Hein. Franchement, apprendre à avoir confiance en soi. Je pense qu'ils devraient l'intégrer dans le système scolaire. Non, mais sérieusement, oui. C'est pas gagné. Non, mais moi, je suis pas d'accord dans le sens où, en général, quand tu observes bien, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la même capacité d'observation, tu peux savoir si quelqu'un a confiance en lui, même sans qu'il ne parle, surtout dans les gestes. On n'a pas besoin d'être, comme elle disait, c'est extraverti. Vrai, extraverti. Tu peux voir quelqu'un d'introverti, mais tu sens sa confiance en lui dans sa manière de marcher, dans sa manière de faire les choses, dans de tout faire. Et même, comme tu disais aussi, évidemment, quand la personne parle, tu comprends bien qu'elle a confiance en elle, mais tu peux aussi le voir dans ses actes. Bon, je pense que normalement, quand on rencontre quelqu'un, on sait qu'il a confiance en lui. Quand quelqu'un s'agite trop, on sait qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il y a des gens qui ont le trahir. Tempérament chaud, mais qui n'ont pas... Bon, oui, peut-être qu'on se rejoint un peu vers la fin. En fait, vous rejoignez... Je pense qu'on se rejoint, c'est juste qu'on a pris l'exemple... Vous abordez de façon différente. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, la confiance en soi ne se lit pas forcément sur le front d'une personne, mais on va remarquer que la personne, elle a confiance en elle par son attitude. Oui. C'est ça. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Par son attitude. Et c'est vrai, les personnes qui s'agitent beaucoup, parfois, elles cachent... C'est pour cacher quelque chose, des fois, qu'elles ne savent peut-être pas faire ou qu'elles n'osent pas montrer. Besoin d'être observée, mais qui cache un manque de confiance en soi parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle est. C'est parce qu'elle ne se connaît pas. En tout cas, je note quand même que la grosse clé pour faire de la confiance en soi une compétence, c'est déjà de se connaître. Je suis d'accord. Merci pour ton aval. T'es d'accord ou pas? Ah ben oui, absolument. Mais de toute façon, la parole dit bien que c'est la vérité qui nous affranchit. La vérité nous rend libres. Donc quand on sait vraiment qui on est, en fait, c'est cette liberté même qui nous donne confiance en nous. Et ce qui est marrant, c'est que dans la société, on a tendance à
observer l'autre, on a tendance à mieux connaître les gens que nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est plus facile. Mais parce qu'on ne prend pas le temps de méditer, on ne prend pas le temps de s'observer, on a peur d'être seul, donc souvent, pas tous, mais en général, on a peur d'être seul dans la société, donc on est toujours entouré. Quand on se retrouve seul, on est sur son téléphone ou on apprend quelque chose. On ne s'assoit pas en se disant qui suis-je, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes compétences, où vais-je dans la vie. On ne fait pas toujours ce... cette introspection. C'est parce que pour moi, la confiance en soi est un organe, si je peux dire comme ça, qui ne se construit pas avec les choses extérieures. Ça se construit avec les choses qui sont internes et inhérentes à sa personne. Voilà. Donc, le fait que j'ai des diplômes, que j'ai des médailles, que j'ai de l'argent, ça ne fait rien. Ce sont des facteurs externes. Ça va être des facteurs externes qui sont tout aussi bien. On ne va pas diaboliser les réussites qu'on voit, qui sont ostentatoires, mais ça ne nourrit pas forcément la confiance en soi, qui, comme je le dis, est vraiment quelque chose qui est interne. Donc, ça peut aider, mais ce ne sont pas des nutriments, si je peux rester dans le domaine, on va dire, alimentaire. Ce ne pas des nutriments qui, sur le long terme, permettent d'avoir une confiance en soi qui est établie, qui, est, qui demeure, en fait, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est peut-être pour très ça qu'il y a des difficultés à Eddy Molière, tu vois. J'adore ce qu'elle a dit, là. C'est pour ça très important. Je pense qu'il y a... comme tu le dis, ce souci d'observer l'autre et de connaître l'autre, alors que nous-mêmes, on ne nous connaît pas. On s'extériorise beaucoup, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, moi, je pense que si on se connaissait vraiment, on saurait aussi de quoi est-ce qu'on a besoin réellement. Oui. Par exemple, quand on va regarder certaines choses, que ce soit sur les réseaux ou même les formations qu'on va faire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre sur ce sujet ou, enfin, voilà, par rapport à ce qu'on sait de nous et aussi où est-ce qu'on va aller. Est-ce que ce qu'on est en train de regarder est bénéfique pour nous ou est-ce que ça va faire bonne impression voilà, ça me fait penser un peu, je ne diabolise pas les parents, attention, ça me fait un peu penser aux parents qui ont des rêves pour les enfants, mais les enfants ont leurs propres rêves en fait. Et je sais pas, les parents qui rêvent que l'enfant soit médecin, que l'enfant soit avocat, vous voyez, les métiers idylliques comme ça, alors que l'enfant il est juste artiste, vous voyez. Donc du coup, il va faire des choses pour faire plaisir à ses parents. Donc, mais là, il va plutôt utiliser du coup des choses externes, en fait. Je ne sais même pas comment dire ça. Ça revient à un point. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec... avec Daphné. Désolée. Je disais que quand j'étais plus jeune, j'ai vécu un peu la même chose avec mes parents. C'est que mon papa était très, très dur. Pas dur, mais il était très perfectionniste. Ok. Et il voulait toujours que je sois la première. Certes, j'avais beaucoup d'aptitudes, mais je ne savais pas ce que j'aimais. Je n'arrivais pas à savoir ce que je voulais vraiment. Il me disait, toi, t'es une fille comme ça, t'es une fille de grand, t'es une fille de si, tu dois te comporter comme ça, tu dois faire ça. Et j'avais de très bonnes notes, mais j'étais surtout très agitée à l'école parce que je devais cacher le fait que j'avais peur que quand je rentre chez moi, mon père me dise, qu'est-ce que t'as appris ? Quel moment tu t'es comportée ici ? Et jusqu'à 8 ans, comme je disais, je faisais souvent pipi sur moi. Mais c'est quelque chose qu'il ne comprenait pas, que ma mère comprenait par contre. D'accord. Et donc, grâce à ma mère, à chaque fois que j'allais à l'école, par exemple, que je revenais et que, par exemple, j'avais mis des bas, on disait, Rita, elle a mis des bas, on se moquait. Elle me disait, mais ils sont en retard sur la mode, eux. C'est toi qui en avance. C'est toi qui es devant. Elle me boostait énormément. Elle me disait que j'étais la plus belle. Elle me disait tout. Donc, ce que mon père me disait n'avait plus trop d'impact en grandissant. Ok. Donc, c'est génial. Hein. Mais par contre, si je n'avais pas eu ma maman, je suis sûre que j'aurais. Parce que même mes études, j'ai commencé en création d'entreprise. Après, j'ai fait un parcours un peu parce que je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Mais mon père voulait absolument que je fasse Sciences Po. Et je suis arrivée à le faire. Mais à la fin, je suis passée en gastronomie. C'est-à-dire que j'ai basculé d'un endroit à un autre. C'est génial. Tout ça, c'est parce que je faisais un peu de résistance à mon papa grâce à la force que ma mère m'a donnée. Et aujourd'hui, je suis contente parce que ça joue beaucoup dans ma vie. Cette confiance en moi est née de l'amour que ma mère m'a donné, du fait qu'elle me disait tout le temps que c'est toi qui es mieux, c'est toi qui sais tout. Enfin, j'y ai cru finalement. Oui, c'est ça en fait. Waouh, gloire à Dieu. Ah, j'aime beaucoup ton témoignage. Moi aussi. Facile d'en parler. J'espère que vous n'allez pas dire que j'ai fait pipi sur moi. J'en ai mes amis. Ils vont dire donc la grande là qui menaçait les hommes il y a quelques semaines. Je menaçais même à l'école. Ceux qui ont fait l'école avec moi, ils savaient que j'étais là parce que au début c'était un manque de confiance et après j'y ai vraiment cru. C'est ça. Amen. Waouh. Ok.
D'accord. Mais du coup, alors on va rebondir sur un point, sur le fait de gravir les échelons. Donc du coup, quand on parle de gravir les échelons, donc c'est en entreprise, parce que dans la société, on va plutôt parler en entreprise, ok? Donc comment utiliser sa confiance en soi pour gravir les échelons en entreprise? C'est bien qu'on aborde un peu le sujet des entreprises, parce que tout le temps, on pense que les boss ladies, c'est seulement des entrepreneurs et mm-hmm. tout. Non, une boss ladies, c'est aussi une femme salariée, oui. Mm-hmm. Bien sûr. Donc du coup Alors, pour ma part, c'est justement pas directement dans l'entreprise, mais c'est dans la phase de recrutement. Ok. J'ai une anecdote, en fait, comme ça, qui finalement s'est soldée par un échec, faut le dire. Mais, ou du moins un refus, on va mm-hmm. plutôt voir ça comme ça. Je postulais pour un poste qui me faisait vraiment rêver dans la gestion de data, analyse et tout. Mm. Et j'avais préparé mon entretien vraiment. Wow. On me demandait d'apprendre des formules sur Excel et que sais-je encore. J'avais vraiment bûché mon truc. Et j'arrive le jour de l'entretien et elle me dit « Bon, on va faire un cas pratique. » Alors là, toute ma confiance en moi, elle est tombée dans mes chaussures, en fait. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et elle me dit, écoutez, je vous laisse 10 minutes, là. Je sors et vous faites l'exercice. Je suis restée tétanisée. Je connaissais la formule par cœur, mais je ne l'ai pas faite. Parce que je me suis dit, mais Daphné, si c'est ça le poste, et si ça se répète plein de fois comme ça, tu ne vas pas être capable. Okay. Donc, tu ne fais pas. Donc, j'ai répondu aux questions périphériques, mais la plus importante, tu ne peux pas aller au bout. Alors que j'avais les compétences, je connaissais le poste. Le stress. Voilà, le stress, mais en fait, tout simplement, le manque de confiance en soi. Donc, on se rend compte que finalement, le manque de confiance en soi, ça t'empêche déjà d'avoir des postes parfois. Mmh. Alors, qui plus est encore de gravir les échelons dans une entreprise si tu cherches une augmentation ou une évolution sur ta carrière. Mmh. C'est pas possible. Waouh. Parce que tu appréhendais, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit, le stress que je vis sur l'instant présent, peut-être amené à se reproduire quand je serai salarié de la boîte et qu'on va être dans une période de rush, comment je vais faire si aujourd'hui je galère? C'est fou parce que je me souviens que mon stage de fin d'études, je l'avais préparé comme mon entretien, je l'avais préparé comme un partiel. Mais vraiment quoi. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai mon entretien et puis en plus à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, je crois que c'est la cooptation. Et donc, du coup, voilà, en gros, le piston, hein, OK. Et c'est une amie qui m'avait pistonné dans cette entreprise. Et à partir du moment où j'ai eu ma date d'entretien, mais j'ai préparé cet entretien comme pas possible. Mais j'avais prié et j'étais en période de jeûne en plus. Et je peux vous dire, bon, l'entretien s'est super bien passé. Et du coup, à un moment donné, il me demande de faire un schéma avec des balises. Je détestais ça. C'est-à-dire, à l'école, on avait appris ça et tout, mais c'était la partie que je détestais. Cette matière, alors pour moi, c'était avec des bases de données, etc. Ça m'énervait. Mais là, j'ai sorti le truc, j'ai fait un schéma, tac, 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 tac. Mais je me suis dit, par contre, si dans ce poste-là, on me demande de faire autant de schémas, de balises, etc. Excusez-moi le terme, mais je me suis dit, je suis mal barrée. Non, mais dans ma tête, c'était « je suis mal barrée ». C'est même pas « je vais pas y arriver », je suis mal barrée, vraiment. Mais je me suis dit « allez, qui ne tente rien n'a rien, j'y vais, je le fais, et on verra bien sur le coup ». Et moi, dans ma tête, je me suis dit « bah, je fais confiance à Dieu, c'est simple ». Donc, on verra bien ce qu'il va me proposer durant le stage. Et par contre, mon stage s'est soldé par un échec, parce que j'avais préparé toute une présentation sur les réseaux sociaux, en plus, sur un outil qui devait contribuer au développement et tout des réseaux. Avec un collègue en Suisse, le jour de la présentation, il y avait les collègues de plusieurs pays qui étaient là. Enfin, en visio, du coup, plus le département qui était en France. Je connaissais mon truc par cœur. Mais tu vois, tu prépares quand même tes petites fiches, etc. Même les fiches, là, je n'arrivais plus à lire. Ah, mais c'est brouillon, tout devient brouillon. T'as dû perdre tous tes moyens. J'ai perdu mes moyens comme pas pour... Moi, je faisais aussi pipi sur moi. Non, sérieux. Non, mais c'était... À cet âge, par contre, ça aurait été un scandale. Ça aurait été un scandale. Non, c'est vrai, c'était chaud. J'ai perdu mes moyens, mais vraiment, je n'avais plus confiance en moi. Je n'avais plus confiance en mes petits papiers, rien du tout. Donc, j'étais comme ça. Je n'arrivais même pas à lire ce qu'il y avait devant moi, quoi. Ouais, tu as le brouillard dans cette tête. C'est ça. Mais tu deviens paralysée. Donc, cette histoire de confiance en soi, vraiment, quand tu ne te connais pas, quand tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es capable... tu fais confiance à des choses externes, en fait, mm-hmm. alors que tu devrais plutôt t'appuyer sur ce que tu es, toi. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a pas de papier, comment on fait? Là, il y avait les papiers, ça n'a servi à rien. Exact. Mm. Ouais, je pense aussi que
il faut avoir confiance en soi pour que les gens nous fassent confiance. Exact. Ouais. C'est très compliqué de pouvoir donner sa confiance à quelqu'un qui lui-même n'a pas confiance ne en semble lui. Pas être capable de gérer sa propre vie, ses propres émotions, c'est ça. Ses propres aussi résultats, si on reste dans le cadre professionnel, gravir les échelons ou occuper des postes à position élevée, ça implique aussi une responsabilité. L'apôtre dit souvent qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça. Donc, si tu occupes des responsabilités, il faut un certain niveau de confiance en toi. Soi. Ouais, c'est ça. Un minimum est requis, en fait. Mmh. Un minimum est requis. Et tu vas pouvoir aussi gagner la confiance de tes supérieurs, comme des personnes qui sont dans ton équipe, parce que tu as confiance en toi. J'ai envie d'aller dans ton sens. J'ai envie de croire en ce projet. J'ai envie de croire que la direction que tu donnes à notre équipe, à l'entreprise ou au produit ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de bien. Et si on se ramasse, on va se ramasser tous ensemble. Mmh. Mais la confiance en soi permet... justement aux autres d'avoir aussi confiance en soi. Exact. Mais bien alors sûr. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé en entreprise. Je pense que presque jamais. J'ai fait 2 mois en entreprise. Je suis partie de toute ma vie parce que ça ne me convenait pas. Mais je pense que dans la vie, il faut être stratège. Si tu n'as pas confiance en toi et que tu te retrouves dans une situation comme ça, je pense que la meilleure des choses, c'est de faire des petits actes qui booste ta confiance en toi, de faire plaisir à tes supérieurs dans certaines choses. Donc, analyser comment tes supérieurs pensent un peu et ce qu'ils attendent de toi et d'essayer de les rendre contents par des petits actes en fonction du fait qu'on te dira « c'est très bien fait », tu commenceras à avoir de plus en plus confiance en toi en entreprise. Mmh. Et de toujours, je ne sais pas si c'est une stratégie, de toujours s'approcher d'un supérieur et de l'observer, d'avoir des figures de réussite, d'observer les grands hommes d'affaires, de lire des livres comme Robert Greene, par exemple, Les 28 lois du pouvoir. Plein de livres sur le leadership, sur la confiance en soi. Donc, ça permet aussi de pouvoir comprendre comment agir et de gravir les échelons en entreprise. Mm-hmm. Donc, même en société, peut-être, mais en entreprise déjà. Mm-hmm. Donc, c'est pas souvent facile parce qu'après, il y en a qui te mettent peut-être des bâtons dans les roues, qui cassent encore plus ta confiance en toi. Mm-hmm. Mais il faut souvent aller avec un objectif de jeu. Il faut déjà se fixer un objectif où on veut arriver. Mmh. Si on vient juste parce qu'on veut un salaire ou si on vient parce qu'on aimerait bien comprendre notre métier et l'aimer un peu plus. À partir de là, on trouve les petits moyens, étape par étape, pour avancer. Il ne faut jamais se faire une idée toute tracée. Il faut toujours avancer étape par étape. C'est ça. Puis je crois aussi, je vais rejoindre un peu ton point, parce que dans les entreprises, il y a le fait d'être sociable. Parfois, tu vas voir que X a gravi des échelons alors qu'il travaille un peu moins que Y. Parce qu'il était proche du patron. Exactement, parce qu'il a été... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est il vrai a été sociable, il s'est rapproché des bonnes personnes. Ouais. Même si tu n'es pas sociable, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde de l'être, il faut se rapprocher des personnes que tu estimes être des figures exemplaires pour toi. Mmh. C'est ça, c'est très important. Exact. Et c'est dans toute société, c'est comme ça. Enfin, dans c'est toute, ça, par exemple, même pendant les pauses. Il y en a qui vont fumer, bah, tu peux ne pas forcément fumer, mais te dire, ok, bon, bah, je vais faire la pause avec mes collègues, tu vois. Et c'est après, ça. Tu en apprends aussi davantage. Parce oui, que bon, normalement, pendant qu'on travaille, on n'est pas supposé trop discuter, trop... Fin... Il faut. Et c'est même comme ça que tu apprends à savoir ce qui dérange l'autre, ce qui le fâche. Il faut prendre des gens comme des œufs. Oui. C'est savoir ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. S'il aime les cadeaux, ben, tu lui ramènes un petit cadeau d'un voyage. Ça peut paraître personnel, mais c'est très important. Donner de l'attention à ses collègues, savoir qui ils sont, c'est très, très important. Comme ça, on aura toujours besoin de toi. Ah, ça, c'est un conseil. On sait que ouh, Rita, c'est celle qui va apporter le petit déjeuner chaque vendredi. Exact. Ah, mais complètement, je vais vous inviter à manger. Et même, je vais connaître toutes les personnalités de manière à savoir comment... dealer avec chacun. Ça, c'est très... Quand c'est comme ça, peu importe qui tu es, tu seras toujours dans le lot. On ne peut pas te laisser passer. Et en fonction de ça, on te connaîtra. Là, tu pourras montrer tes compétences. Je pense que c'est important. Yes. Voilà, ça, on note. Nous notons. Merci, Rita. OK. Donc là, on a vu comment gravir les échelons en utilisant justement la confiance en soi. Mais aussi... Il y a des inconvénients à ne pas utiliser notre confiance en soi. Énorme.
Alors, est-ce que vous avez des exemples d'inconvénients? Je savais. Il y en a trop. Il y en a énormément. Alors, c'est un inconvénient où on peut voir ça aussi comme, pour moi, une falsification de l'importance de la confiance en soi. Bah oui, parce que, alors moi, j'ai entendu plusieurs fois, j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi parce que j'ai confiance à Dieu et c'est, en Dieu et c'est largement suffisant. Oh. Et Excusez-moi. Ah, elle est partie comme ça. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Et j'ai même été sujette à y croire à un moment donné. Parce qu'on me l'avait dit plusieurs fois. Et je me suis dit, ah, tiens, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir confiance en soi. Mais en réalité, Dieu a misé sur l'homme pour la gestion de la terre. C'est ça. Il a donné cette position d'autorité à Adam et Ève pour qu'ils puissent... produire, multiplier, dominer, assujettir. Vraiment, cette gestion, il a confié ça à deux personnes. Et aujourd'hui, on est 8 milliards. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même fait confiance à l'homme. Donc, si l'homme détient dans sa main la confiance de celui qui est le créateur, mais j'ai envie de dire, qui sommes-nous pour ne pas oser avoir confiance en nous? En réalité, c'est de la fausse humilité de se dire j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi tant que j'ai confiance à Dieu ou tant que Dieu me fait confiance, parce que Dieu s'attend à ce que tu fasses ta part sur la terre. Il te donne une mission, il te donne un projet de vie, il te donne même des dons et des talents, mais c'est pour que tu puisses les gérer comme tu le souhaites. Et puis au-delà de tout ça, peut-être pour des personnes qui nous regardent et qui sont pas chrétiennes ou qui ont le refus de croire en Dieu, bon, dommage pour vous, mais vraiment dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des compétences. Avez des compétences et il faut pouvoir les utiliser. Et en parlant de dons, par exemple, il y a certains dons même qui se manifestent en fonction de ta confiance en toi, en fonction de ton évolution. Ouais. C'est-à-dire que dans la vie, tu as des épreuves qui t'apprennent à être plus fort, à être plus résistant. Mais aussi, tu as des compétences qui ne se révèlent que quand tu es arrivé à un certain niveau d'aisance intérieure. Vrai. Donc, c'est quand même triste de passer à côté de sa vie. Parce que tu passes à côté de ta vie quand tu n'as pas confiance en toi. C'est que tu te donnes des limites et tu n'arrives pas à sortir d'une coquille. C'est une prison, quoi. Enfin, tu es pas différent de celui qui est en prison dans des barreaux. C'est pire parce que tu es dans une prison intérieure. Exact. Il y a une énorme souffrance. Donc, je pense que la souffrance est le premier inconvénient du manque de confiance en soi. Et je pense que il y a un truc qu'on appelle la pyramide de Maslow. Oui. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à finaliser cette pyramide, tu n'es rien. Tu n'es pas accompli. C'est simple. Mais non, elle a été radicale. Elle n'a pas dit « tu n'es pas accompli », elle a dit « tu n'es rien ». Tu n'es rien parce que tu n'es pas... Mais je suis désolée, j'ai voulu reformuler. Voilà. Mais selon Rita, tu n'es rien. Non, mais parce qu'un être humain bien constitué ou une personne doit savoir s'intégrer dans un groupe, doit avoir des bases. Et ces bases viennent de la confiance en soi. Donc, même si aujourd'hui, toi, jeune... Parce qu'en général, c'est souvent chez les jeunes et même chez les vieux. Tu n'as pas confiance en toi. Essaie de te poser les questions sans être trop dur avec toi. Sans te torturer, quoi. Essaie de te dire, je veux être une personne mieux. Je veux être appréciée à ma juste valeur. Et même moi, je veux être fière de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense que si tu te poses ces questions, tu n'auras pas à souffrir. Parce que sinon, c'est la souffrance, hein. Oui, c'est vrai. C'est obligatoirement tu vis de la souffrance. En fait. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne vis pas vraiment. Tu es étouffé et tu entres dans le jugement parce que tout ce que l'autre fait te dérange, vu que ça te dérange intérieurement. Exact. C'est-à-dire, si moi j'aime m'amuser, parce que Rita, elle aime bien jouer, elle aime bien aller au spa, elle aime bien aller ici, et que toi, tu ne sens pas que tu as la force de le faire, tu vas dire, mais elle aussi, elle aime trop sortir. Hein? Elle... Non. Si tu sortais, tu allais savoir pourquoi c'est intéressant. Et voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu sais, sur le fait de se dire, j'ai confiance en Dieu, ça me suffit. Moi, je crois aussi que c'est parce qu'on n'ose pas faire les choses. C'est ça. Donc, on préfère plutôt remettre toute la responsabilité à Dieu, alors qu'il nous a aussi responsabilisés, en fait. Et en fait, Dieu est immatériel, on va dire. Il n'est pas là comme ça, physiquement, où tu vas dire... Bah, écoute, oui, il est esprit. Malex m'a giflé. Je vais laisser à Dieu. Non, moi, je te réponds tout de suite. Tu me gifles pourquoi? Tu es qui? Elle va gifler aussi, voilà. Non, peut-être pas forcément, parce que je ne sais pas si je vais me salir pour ça. Mais je vais
pas, je vais lui répondre et la faire payer d'une autre manière. Je sais comment je vais faire. Ça doit toujours entrer dans mes principes. Mais tu vas payer ça. Et en fait, c'est Dieu qui me donne cette force et cette capacité d'avoir le courage de faire face à mes émotions. Oui, c'est vrai. Tu peux pas être frustré par quelqu'un qui t'a dit quelque chose de méchant et te dire je laisse Dieu faire, ou dans ton couple tu as un problème, laissons Dieu. Non, tu t'assois et tu discutes avec la personne. Tu t'assois. La seule façon, en tout cas pour moi, de laisser Dieu faire les choses, c'est d'abord d'aller prier, me remplir vraiment du Saint-Esprit pour avoir la sagesse, méditer pour peut-être apporter une bonne réponse. Oui. Voilà, c'est de cette façon que je laisserai Dieu faire, si je puis dire ça ainsi. Mais de façon générale, Dieu compte sur nous en fait. Nous sommes ses bras, nous sommes son corps, nous sommes sa bouche. Donc il s'attend à ce que nous aussi nous prenions nos responsabilités pour poser des actions. Exact. Et puis si on voit des figures chrétiennes dans la parole de Dieu qui sont aujourd'hui des références comme les héros de la foi, ce sont des personnes en fait qui à un moment donné de leur vie ont accepté le manteau qui était sur eux, l'appel qui était sur eux aussi, et qui ont marché dedans. C'est parce qu'ils ont marché pleinement dedans et qu'à un moment donné de leur vie, malgré leurs erreurs, ils ont été en parfaite corrélation entre l'appel de Dieu, la personne qu'ils sont et la tâche qu'ils ont à faire. C'est ça. Et ça, pour moi, ce sont des choses qui sont inhérentes à la confiance en Dieu. Je connais Dieu, je sais ce que Dieu dit de moi, j'accepte et je décide de croire que ces choses-là sont véritablement ce qui me définit et je marche en fonction d'elles. C'est à ce moment-là que la confiance en soi, elle fonctionne. Et c'est là qu'en fait, on a du résultat. Les personnes qui aujourd'hui ont confiance en elles ne sont pas forcément nées depuis leur premier souffle en disant ouais, « j'ai confiance ». On a tous crié à la maternité et sans savoir réellement ce qu'on allait devenir. On veut nous faire croire que non, mais toi, c'est parce que tu es née sous une bonne étoile. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des capacités plus faciles. Enfin, elles ont des aptitudes. Mais même pour ça, elles ont dû y travailler. C'est ça. Voilà, on n'en disconvient pas que, voilà, il y a peut-être des fois certains stades, j'ai envie de dire, du don qui est plus développé chez X par rapport à Y, par exemple. Mais il n'en demeure pas moins que X va devoir travailler à un moment donné. Ça te rattrape toujours. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Il faut avoir foi en soi pour faire sortir son potentiel. Et les gens pensent que nous sommes des marionnettes. Et c'est Dieu maintenant qui tire nos bras. Exact. Et il y a un truc que je voulais mentionner qui est très important, c'est qu'il ne faut pas confondre la confiance en soi à l'ego. Moi, j'ai eu à confondre ça à un certain moment parce que tout me réussissait. Et ça, j'en étais très fière. Mais arrivé à un moment, je commençais à avoir un peu de mépris pour les personnes qui ne savaient pas forcément faire ce que je pouvais faire. Et je me suis cassée la figure, franchement, parce que j'ai l'impression que Dieu, quand il commence à, quand il commence à devenir ce qu'il ne veut pas, il te ramène à la vérité. Exact. Et donc, j'ai presque tout, on va dire, tout perdu parce que c'était intérieurement. Et donc, cette confiance en moi. Et j'ai dû me reconstruire avec beaucoup d'humilité. Donc, tu peux avoir confiance en toi, mais c'est un fil, c'est un petit fil qu'il y a entre l'ego et la confiance en soi. C'est très important de faire attention. C'est très subtil. Dans tous les cas, Dieu te ramènera toujours à la confiance, enfin, au départ. Si tu si tu penses que... Non, mais j'en ris parce que moi, je me suis vraiment cassé la figure. Et je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais tomber, quoi. C'était comme ça, tout s'est retourné autour de moi et j'ai dû reconstruire petit à petit avec beaucoup de force, puis beaucoup d'humilité. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre Dieu au centre de amen, tout. Amen, vraiment. Toujours. Mais dans confiance, il y a croire. C'est ça en fait, se fier à, c'est croire quelque chose. Donc c'est ça. La confiance, c'est croire en soi. Exact. Et il faut croire ou accepter de croire que pour toi, c'est possible. Moi, j'ai ma petite sœur qui a ce, on va dire, ce leitmotiv. Elle dit tout le temps... Et pourquoi pas moi ? Wow. Cette simple phrase-là, quand elle a commencé à la dire, quand elle a commencé à la concevoir, je l'ai vue essayer des choses. Je l'ai vue oser se dépasser. Alors que, on peut dire que c'est quelqu'un qui est un peu introverti. Mais c'est cette simple phrase, et pourquoi pas moi ? Et en réalité, c'est ça. Pourquoi pas toi ? Cette phrase, elle est valable pour moi à tous les niveaux de réussite, quelle que soit la position qu'on occupe, quel que soit ce qu'on représente aussi dans la vie. Pourquoi pas toi pour plus ? C'est ça, en fait. Et il y a un truc qui est important encore, on va finir par ajouter plein de points. Allez-y. C'est que, par exemple, dans une famille, en général, Dieu sait faire les choses. Il envoie chacun avec ses aptitudes.
qui m'a aussi aidée, je donne toujours des exemples personnels parce que c'est ce qui permet de savoir de quoi on parle, c'est que dans ma famille, on est tous différents. Pourtant, on a eu la même éducation. Et donc, en observant mes frères et sœurs, j'ai dû comprendre ce que je devais les apporter et ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et j'ai pu comprendre que, par exemple, ma sœur, c'est quelqu'un de très sage, mais vraiment, avant de parler de quoi que ce soit, elle va réfléchir. Moi, je suis quelqu'un de très spontané. Pourtant, je peux être réfléchie, mais je ne pourrais jamais être aussi sage qu'elle. Donc, j'ai compris que quand on fait du business, par exemple, moi, je fonce. Je suis quelqu'un qui a toujours des idées, j'ai beaucoup de stratégies. Et quand je vais me casser la figure, c'est elle qui me dit, Rita, attends. Je lui dis non, là, on y va. Donc, il y a une chance sur deux que ça marche. Mais il y a aussi une chance sur deux que je me casse la figure. Et avant, je voulais... mon père, il me disait toujours, t'as vu comment ta sœur, elle est sage? Mais il faut faire comme elle. Et à la fin de sa vie, on va dire, parce qu'il est parti il n'y a pas longtemps, il me disait, je suis fière de comment tu es devenue. Il disait maintenant à mes frères et sœurs, vous avez vu comment Rita elle est? C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris qu'on se complétait tous. C'est ça. Ouais. Et que moi, ce qui m'a plu, c'est que je n'ai pas essayé d'être ma sœur. Et ma sœur n'a pas essayé d'être moi. Mmh. Donc, on s'entend super bien. Et on a un frère qui est complètement différent, mais qui nous permet de voir la vie aussi d'un autre point de vue. Donc, il faut souvent observer son entourage pour mieux se connaître, savoir ce qu'on leur apporte, ce qu'ils nous apportent. Exact. C'est comme ça qu'on se connaît un peu mieux. Dans ce que tu dis, sur sa position. Dans ton témoignage, là, il y a une clé que tu as dégagée. On va l'aborder dans quelques secondes. Mais avant, si vous êtes bénis par cette émission, n'hésitez pas à nous soutenir, d'accord ? N'hésitez pas à partager non seulement le lien de l'émission, mais vous avez également le PayPal qui sera diffusé juste en bas de votre écran. Alors n'hésitez pas à nous soutenir parce que bah, voilà, c'est une preuve d'amour aussi pour nous, d'accord ? On vous envoie plein d'amour, plein d'amour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, oui, c'est vrai. Ouais, aussi, aussi. Donc j'aime bien ton témoignage. Et ça me permet justement d'embrayer sur le dernier point, sur comment utiliser la confiance en soi pour être une boss lady. Mmh. Et j'ai envie d'embrayer en disant qu'il faut peut-être aussi éviter les comparaisons. Tu vois, par rapport à ton témoignage, on retient que vous vous complétez. C'est mais ça. Vous ne vous êtes pas forcément comparé. Et c'est souvent la comparaison qui fait que, bah, on n'est jamais satisfait de qui on est finalement parce qu'on voit plus de choses chez l'autre, mais on ne voit rien chez nous. Et pourtant, il y en a beaucoup des choses. Mmh. Mais j'aimerais quand même rappeler ce que c'est qu'une boss lady quand même. Très rapidement, une boss lady, c'est une femme qui a un projet et qui le mène en fait jusqu'au bout, qui fait tout pour aller jusqu'au bout de son projet. Mmh. Donc ça peut aussi bien être la mère au foyer, la salariée, l'entrepreneur, enfin... Peu importe le projet que vous avez, tant que vous y allez jusqu'au bout, bah vous êtes une boss lady. Yeah. Tout ce qu'elle touche brille. C'est exactement. Ça. Son Dieu lui ordonne d'être puissante. Ah c'est ça, une boss lady. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, la boss lady ne va jamais s'essouffler. D'accord ? Mais même quand elle tombe, en fait, elle se relève. C'est ça, la boss lady. Mm-hmm. Voilà. Et pour les personnes que les épreuves affaiblissent en fonction de la confiance en soi, il faut toujours voir les épreuves comme une façon de grandir. Il n'y a aucune épreuve qui vient pour t'affaiblir, au contraire. Ça peut t'affaiblir pendant un moment, mais l'épreuve est toujours là pour te faire grandir. Et si vous remarquez bien, à la fin de toute chose, à la fin de toute épreuve, on se dit toujours « waouh ». On comprend mieux les choses et on a encore pris un peu plus de valeur, un peu plus. Donc, il faut accueillir les épreuves comme un moyen de grandir. Au contraire, si vous avez des épreuves en ce moment-là, il faut savoir que c'est parce que vous devez grandir. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je voudrais ajouter que la confiance en soi n'est pas une émotion. Parce que souvent, quand on échoue, quand on ne réussit pas à faire quelque chose ou qu'on constate que l'autre a mieux fait, on est déçu, hein, on a un sentiment d'insatisfaction. Et on peut tout de suite faire le lien entre... La comparaison. Voilà, tout de suite la comparaison, mais finalement, ah, c'est moi le problème. Ah, c'est moi qui ne suis pas assez. Ah, c'est moi, mais... Chut. Et puis là, ça descend le ouais. niveau de confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas une émotion. C'est... Pour moi, ça fait partie de la foi, en fait. Exact. Ça fait partie de ce qu'on croit. Ce sont des croyances qui doivent être vraiment ancrées en soi. Et puis, c'est encore mieux quand c'est basé sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu
et la vérité, mais c'est pas Amen. Une émotion. Une émotion, c'est un indicateur de l'état de notre âme. Donc on peut être dans des bonnes émotions comme dans des émotions négatives, mm-hmm. mais il faut vraiment faire ce travail-là de dissocier les deux, parce que sinon ça voudra dire que votre confiance en soi, elle n'est pas stable et qu'elle est basée sur ce que vous Attention, ressentez. Attention, parce que les émotions aussi, c'est ce qui nous fait. C'est-à-dire que plus tu as d'émotions positives, mieux tu as, plus tu as confiance en toi. Mais je dis pas le contraire, c'est que les émotions te permettent d'interagir avec ton monde extérieur. Tu vas avoir quelque mais chose... Mais les émotions te font aussi. Tout ce que tu laisses entrer en toi finit par être toi. C'est comme si aujourd'hui, je suis tout le temps, à chaque fois que je te vois, tu m'énerves. Mm-hmm. Je vais finir par être aigrie. Oui, mais c'est basé sur ce que toi, tu ressens. Mais est-ce que ce que tu ressens, c'est la vérité ? Oui, c'est la vérité. Par contre, tu choisis ce que tu veux ressentir. Non, c'est pas forcément la vérité. Parce que ta perception des choses, elle est basée sur tes limites, sur tes croyances. C'est ça, mais sur ce que tu sais, tu vois ? Aussi, toujours sur ce que tu ressens au moment. Oui, mais on n'est pas... Ce n'est pas qu'une seule émotion. En fait, je vois ce que Daphné veut dire. En fait, ce que tu ressens, c'est pas la vérité. Parce ah non, que parfois... c'est pas toi, je suis d'accord. Oui, en c'est fait, ça que je dis. C'est ça qu'elle veut dire, en fait. Les émotions, elles sont légitimes. Elles sont légitimes d'exister parce qu'on a été fait comme ça, on est des êtres sensoriels. Oui, par contre, il faut pas se baser sur ça. Exact. En fait, voilà. C'est pas qu'on ne doit pas se baser, mais on ne doit pas bâtir sur des émotions. Donc, c'est important parce que ça peut être une alarme quand il y a un danger. Tu ne sens pas que tu devrais foncer dans ce projet ou investir dans cette entreprise. Et ça peut être une émotion qui est vraie. Et finalement, tu ne vas pas le faire, tant mieux, parce que ça aurait été un échec. Oui. En revanche, bâtir une identité sur ce qu'on ressent, et finalement, sa confiance en soi sur ce que l'on ressent, c'est un danger. Parce que si pendant 10 ans, tu te sens bien, et qu'au bout de la 10e année, paf, il se passe quelque chose de pas bien, et là, tu subis un échec, et ben ça voudra dire que ça va s'effondrer. D'ailleurs, j'ai même envie de dire qu'on ne prend pas de décision quand les émotions sont à l'extrême. Ah, je suis d'accord. Quand on est trop triste... La raison doit toujours prendre le dessus. Quand on est trop triste, il ne faut pas prendre de décision. Même quand on est trop content, il ne faut pas prendre de décision. Bon, moi, j'ai appris peut-être que c'est différent, parce que moi, j'ai appris à gérer mes émotions d'une manière. C'est-à-dire que quand quelque chose... Enfin, j'accueille tout avec sourire. Mmh. Ça, c'est devenu de la sagesse, peut-être. Oui. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Mais, par exemple, quand j'ai quelque chose qui peut me frustrer, j'essaie tout de suite, c'est marrant, hein, de penser à ce qui me fait plaisir dans la chose. Et c'est après, une façon de gérer, en c'est fait, ça. Tout simplement. Du coup, je suis toujours d'humeur. Maintenant, quelqu'un peut me dire quelque chose de méchant et ça ne va pas me faire froncer les sourcils, par exemple. Mais je pense aussi que c'est parce que tu connais ton identité. Complètement. Voilà. Mais quelqu'un qui ne se connaît pas... Ah oui, les émotions, il les engorge. Voilà, exactement. Il va ingurgiter la chose, il va encaisser et il va faire de ça une vérité, alors que ce n'est pas une vérité, tu vois. Mais c'est parce que tu te connais. Toi, tu as confiance en toi. Complètement. Ça s'entend aussi. Donc mais elle a donné du coup une clé, je pense. Hein, c'est de pouvoir, même quand on a des mauvaises nouvelles ou qu'on vit des situations négatives, de chercher ce qu'il y a de positif. Mais même c'est dans... pour ça qu'il faut créer des bons souvenirs quand on va bien. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle, même dans un couple, quand on va mal, on se rappelle des bons moments et on se dit, est-ce qu'on veut les perdre ? Mais si on est comme ça, on vit une vie de routine, travail, tout est linéaire. Non, il faut essayer de se stimuler, savoir ce qu'on aime. Et même, on va jouer un peu, je sais pas, à l'aveyron, un truc, faire quelque chose. Mais c'est vrai, jouer au Scrabble avec ses sœurs, créer des liens. Non, ça permet vrai. De, quand il y a des disputes, tu regardes, tu dis non, je l'aime trop. Il faut qu'on s'asseye. Mais comme de nos jours, dans la société, on pense plus à évoluer, on ne pense pas que ce qui nous fait du bien. C'est pour ça que moi, ce que j'aime beaucoup chez les gens qui ont réussi, c'est qu'ils ont toujours une passion. Oui, c'est vrai. Tu verras un président qui adore la musique, alors il est dans son studio, il est dans le truc. Mais quand il se sent mal, quand il a du stress, en fait, il met de la musique et ça passe. C'est très important de trouver ce qu'on aime, de créer une passion. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Enfin, moi, j'aime beaucoup jouer. Jouer à quoi ? J'aime les jeux. J'aime les jeux, comme je joue à la marelle avec ma fille. J'aime les jeux comme ça. Ah oui, j'aime les jeux. J'aime beaucoup. Les puzzles. Oui, c'est vrai. Prochaine émission, Rita va jouer à la marelle ici. Je suis une femme enfant. Hein. À la prochaine émission, on fait une compétition de Uno, d'accord ? On va bien s'entendre. De Uno, j'adore. J'aime le Ludo, j'aime Matching Mission comme toi. Waouh ! Il y a des joueurs ici, il y a des compétiteurs. Mais vous voyez, ce sont des moments de détente. Et après, on repart à
nos occupations, oui, très chargées en énergie positive. Exact, ça, oui, c'est important. Et puis l'amour aussi. L'amour, ça donne beaucoup confiance en soi. Exactement. Mm-hmm. Oh, Boss Lady, est-ce que tu entends les clés, oui, que les filles sont en train de donner? J'ai aussi envie de dire le fait de déclarer. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que tu dis de la situation que tu vis actuellement? La parole. Exactement. La Bible va dire que la mort et la vie sont aux dépens de la langue, en fait. C'est-à-dire que ce que tu dis, soit tu vas donner vie à cette situation, soit tu vas lui donner la mort. Donc, j'ai plutôt envie de dire que si la situation est défavorable, tu l'as avec des paroles de vie. Mais vous vous rendez compte que c'est par la parole qu'on convainc quelqu'un de signer un chèque d'un milliard? Vous, exact, imaginez comment c'est puissant? Parce que si je viens, je te mets le chèque comme ça, tu peux rien me faire. Par contre, si je te convainc avec ma parole, tu pourras le faire. Donc, imaginez comment la parole est puissante. Non, mais c'est incroyable. La parole, c'est par la parole qu'on peut guérir. Moi, j'ai remarqué un truc chez mes amies et je sais qu'elles me regardent forcément. J'ai pratiquement guéri presque toutes mes amies par la parole. Amen. C'est-à-dire souvent quand je voyais qu'une est dans le truc comme ça, je lui parle d'elle, je lui dis « Mais pourquoi tu te laisses aller comme ça? Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Viens, on va faire ça. » Et à chaque fois, elle me disait à la fin de leur processus de guérison, « Rita, merci. Wow. Parce que tu as participé à ma guérison. » Une m'a même écrit avant-hier pour me dire « Tu m'as guérie. » J'ai dit « C'est pas moi qui t'ai guérie. » Elle m'a dit « Bon, Dieu est passé par toi pour me guérir. » C'est ça. Et je sais que la parole est importante. Surtout quand tu vois un ami, une personne en situation de petite déprime, parle-lui de ce que tu aimes chez lui. Comme ça, ça aide beaucoup. C'est ça. Finalement, c'est comme ce que tu nous as raconté par rapport à ton anecdote avec ta maman. Ah oui, c'est ce qu'elle a fait, en fait. C'est vrai que tu vois. C'est exactement ce qu'elle a fait avec toi. Et finalement, ça t'a forgé dans ta confiance en toi. Tu vois, ça t'a forgé dans ta confiance en toi, mais ça t'a donné aussi un modèle pour que toi, tu puisses consolider la confiance en soi des autres, ou les aider à traverser une épreuve. Non, mais c'est ça. En fait, elle a construit cette femme aujourd'hui que tu es pour pouvoir être cette source de bénédiction autour de toi. Amen. Tu vois, la parole est constructive. Donc, plutôt que de se dire « Oh, j'y arriverai pas », il faut peut-être se dire « Comment est-ce que je peux y arriver ?» Exact. Ou se dire tout simplement « Je vais le faire » et ensuite « Comment est-ce que je peux le faire ?» Et à ce moment-là, on va chercher en fait les solutions adaptées pour aller au bout de ce projet, au bout de cette envie, au bout de ce qu'on veut faire, au bout de cet objectif, en fait, tout simplement. Ça peut être très bête, hein. « Oh, mais j'arrive pas à m'habiller. » Mais ça aussi, il faut déclarer des bonnes choses. « Je suis belle. » Je sais m'habiller, Parce que tu visualises. Si tu dis je vais pas y arriver, tu y crois vraiment. Hein. Mais tu visualises aussi que tu ne vas pas arriver. Je me dis qu'il faut pas se mentir. Quand tu dis tu es belle, rends-toi coquette. Si tu dis je vais y arriver, fais des choses qui te permettent d'avoir. Moi, je dis toujours de faire des choses. L'action, c'est très important. Exact. Tu fais un gâteau, tu as réussi le gâteau, tu vas avoir plus confiance en toi dans la cuisine. Ouais. Si tu le rates, essaie de te demander ce que j'ai fait pour que ça rate. Tu refais et tu refais et tu refais. Et tu améliores la recette. L'action, on s'améliore toujours. Même les pires personnes se sont améliorées dans l'action. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on avait un là, il était tellement nul. Mais c'est j'espère qu'il ne regarde pas ce soir. Non, mais il sait, hein, parce que moi, je ne lui cachais pas ça. Hein. Mais ce que je voyais en lui, ce que je voyais en lui, c'est qu'il était performant. Donc, quand je dis performant, c'est pas performant, il était persévérant. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un haut cadre, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui sait appliquer. Il peut travailler en entreprise, il a compris où il peut travailler. Parce qu'il faut connaître ses aptitudes. Exact. Il a compris que c'est l'entreprise, je sais appliquer ce qu'on me dit de faire. Et il y met du sien à 100%. Ce qui fait que celui que moi j'appelais cancre est plus important aujourd'hui que le troisième de ma classe au CM2, je sais parle aussi. Et ben comme quoi. il est aussi connecté ce soir. Il sera connecté. J'espère que, vous êtes connecté. Regardez les émissions. Mais je pense qu'il est connecté là. Il est là. Super. Eh ben, voyez, comme à son habitude, l'émission finit toujours très, très vite. Oh. On aurait pu encore parler davantage sur le thème de la confiance en soi. Mais si vous avez des choses que vous pouvez ou que vous vouliez qu'on apporte davantage, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram, les Boss Lady Show, et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, j'espère que vous avez bien noté toutes les clés que nous avons données. La dernière, c'était la déclaration. Donc déclarer, mais passez aussi à l'action. Ne dites pas « je vais trouver du boulot ».
Faites un CV et allez le déposer aussi. D'accord ? Laissez le téléphone, là. Laissez le téléphone. TikTok, tout ça, ça prend du temps. Ça bouffe du temps. Exactement. Donc voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci pour vos commentaires, pour vos idées, pour votre soutien. Merci beaucoup, Daphné. Merci beaucoup, Rita. Merci à vous. Merci à ceux qui sont derrière, à la régie, aux maquilleuses. Et encore merci à l'apôtre Alain Patrick, ministre Sabrina. Merci, pasteur Paulette. Merci, pasteur Grasse. Merci à tout le monde. Je commence à m'attacher à eux. Hein. C'est vrai ? Tu vois, voilà. Ils veulent que tu reviennes aussi. Mais tu as raison. Ça veut dire que tu reviens. De toute façon, le prochain live, tu es avec nous. Exactement. C'est décrété. Donc, on vous dit à bientôt. Ciao, bye bye. Bye bye.